Wesh. T'as essayé de me taper là? Non? Si. Écoute, si t'as une preuve, je veux bien te taper. Pas logique ce que tu viens de me dire, Fuse. Non, c'est tout à fait logique. Vas-y, de toute façon, essaye de me taper. Et bah, tu peux pas, je suis en créatif, voilà. Mais si, bah voilà, putain, bah, monsieur tu... Cheat. Mais tu fais des conneries tout le temps à chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble. Ah, regarde, tu bouges partout, t'es instable. Zéro conneries. T'es comme Nino, toi. Quoi? Bah, t'es instable, tu bouges tout le temps partout. Mais en fait, je sais pas, ça me saoule de rester là. Ou alors, faut jouer à une vidéo YouTube en même temps, mais pas présent du coup. T'es en barré qui va regarder une vidéo YouTube. Viens, viens à côté là. Ouais, je fais jusqu'à la pêche aujourd'hui, on est avec Mr. Fuse. Ouais. Ouais, il est content. T'es content? Ouais, je suis trop content. Regarde, tellement je suis content parce que je cours partout en fait. Il est pas du tout menacé, il a rien, vous en faites pas. Un peu, voilà, il vient de le dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que je trouve. Hey, c'est les gens sur Paladium, ils se mettent devant moi comme ça, ils font. Scream. Un concept un peu intéressant, Fuse, regarde, on peut voir qu'il y a un chunk de rendu. C'est plutôt dérangeant. C'est. Franchement, je suis dérangé là. T'es dérangé? Après, tout t'as. Aïe. Ah, c'est bon, je vais affiner. Bah oui, parce que je me suis mis en sur. Je constate. Putain, je tousse à cause de toi. Pourquoi? Je sais pas, tu m'as frappé dans les poumons, ça. Aïe. Le RP, tu veux vraiment constate, hein. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un chunk de rendu, c'est ça qui va être toute la difficulté de Minecraft. Donc quand il y aura des creepers qui vont nous sauter dessus, d'autres mobs agressifs, on les verra pas. Ou s'il y a des trous, on les verra pas non plus. Je suis ready là, je suis un petit peu à fond au taquet quoi. Ok, il est à fond là, je le ressens. Bon bah comme d'habitude, on va prendre du bois. Hein. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Pourquoi on peut pas récupérer les blocs? Dans le set spawn, y'a que moi qui peux. Putain. T'es où? Merde, on s'est déjà perdu. Je suis parti en dehors de mon spawn, de ton spawn, parce que visiblement j'ai pas le droit. Là je peux détruire la forêt là. Faut pas qu'on se perde parce que voilà, oh il y a de l'eau, j'ai trouvé de l'eau. Après il y a les coordonnées hein, toujours ça marche. Ouais, il y a l'écho mais bon, c'est quand même vachement complexe quoi. Fuse, t'es où? Je suis en train de crafter des bails là. Je te cherche hein. Tu me cherches? Bah oui, je te cherche. Moi je suis sûr je peux te retrouver, regarde. Hop, t'étais là. Ah non, je me suis barré en fait, c'est ça le truc. Oh, attends. J'ai trouvé mon village. Wesh, il est où ton village? Ah bah tiens, il est là. Salut. Aïe, mais j'ai une pioche. quel est le. Je sais pas, je voulais juste dire que j'avais une pioche. Okay, what the fuck, mais y'a que moi qui ai des dingueries comme ça. Mon dieu. Mais pourquoi ça fait ça? T'inquiète, c'est rien. Mais explique-moi. Regarde, c'est rien. Tu peux les casser mais et mec... tout, tu peux rentrer dedans. Oh, regardez. Oh, y'a une forge. Attends, y'a parfait, y'a deux points. Explique-moi tout. Mais t'expliquais quoi? C'est quoi? Mais pourquoi ces trucs-là, ça fait ça? C'est les dingueries du mode, t'inquiète pas. Mais mec, explique-moi, là, y'a des choses, des informations que tu me donnes pas là. Bah, en gros, il peut se passer des dingueries du style, tu vois, des faux murs. Vrai mur, truc ah comme ouais, ça, tu vois. C'était prévu, c'est c'était pas un bug. Prévu, non, c'était prévu. Il va me fumer là, le golem. Ouais, vas-y, je te laisse m'aider. Ah, attends, mais là, il est sur toi là? Je crois. On peut le déglinguer. Saute pour faire des coups critiques. Mais oui, mais si je saute, vu que je suis en haut, ça me touche pas en fait. Bah si, on aurait peut-être pu faire des haches, parce que là, c'est compliqué non de le buter quand même. C'est un peu long, ouais. Ah, et putain, il a volé le fer en plus. Oh, il y a des blocs, regarde. Bah, c'est de la dirt, c'est pas très intéressant. T'imagines, les gens qui ont un PC de merde, ils sont obligés de vraiment de jouer comme ça, premier degré. Ah, j'aimerais pas. Après, en vrai, est-ce qu'on n'a pas déjà tout joué un peu comme ça? Bah, franchement, un chunk, je crois que c'est même pas possible, en fait. Oui, c'est pas possible. Je nous fais une pioche en fer, voilà. Allez, vas-y, mec, sois... C'est moi qui est fou, c'est moi qui fais la pioche. Bon, le challenge est vachement dur, je pense pas qu'on va réussir, qu'on va... Oh... Ah oui, il se passe des dingueries. Faut là. Pas partir des fétistes. Oui, non, faut pas partir des fétistes, mais. Faut croire en soi, Ninjax. Est-ce que tu crois en toi? Je crois en moi, mais je crois aussi que ça va être dur. Oh, tu vois, là, j'ai trouvé 3 tonnes de blé, là. On va pouvoir manger. Oh, c'est bien ça. T'imagines, les pauvres villageois, là, ils charbonnent toute l'année. Ils font les fourmis pour garder le blé et tout. Et nous, on arrive, on pille tout. Mais moi, tu sais que dans ma dernière vidéo, je me suis posé une question. À ton avis, il y a combien de villages qui ont été pillés dans Minecraft? Il y a des. Peut-être pas des milliards, quand même. Ouais, moi, je me suis dit des centaines de millions. Il y a moyen, hein, ouais, c'est vrai que des centaines de millions, ouais, c'est possible. Les pauvres villageois, on les a raquettés combien de fois dans leur vie? Ouais, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour pouvoir tuer l'Under Dragon après. Est-ce que ça te donne envie d'aller voir alors qu'il y a un gros trou là? Non! Oh, espèce. Espèce de lâche, va. Bon, j'ai une pioche en fer. Ça a essayé de le refaire, espèce de lâche. J'ai une pioche en fer. Arrête! Mais arrête de le faire! Eh mec, c'est excellent ce biome. J'ai jamais vu autant de trucs de sable comme ça. Oh! Oh mon dieu, mais attends, il y avait un creeper que j'avais pas vu. Mais il y en a deux! Mais il y en a plein! Putain! Oh, c'est la street. Te laisse dans ta. Mais viens m'aider! Attends, je récupère un petit peu de fer. Ah putain, il y a tellement de mobs! Je vais mourir. Oh mon dieu! T'es pas mort, pourtant j'ai entendu un gros boom. Hein. Oui, bah c'est complexe. Tu sais ce qui se passe? Je suis tout seul.
C'est super compliqué, il y a combien de mobs? En fait, c'est Est-ce que t'as un établi? Dis-moi que t'as un établi. J'ai pas d'établi. Dis-moi que t'as du bois pour faire. Ah, il est où? J'ai 3 de bois. Ok, c'est parfait. Attends, vous le butez, je sais pas où il est. On se fait tirer dessus, je sais pas où il est. Il est là. Ok, bon, là on a notre petite maison. C'est... Je pense qu'on aurait pas dû s'aventurer dans les grottes comme ça aussi violemment là. Bah, si, on aurait dû. On a... Franchement, c'est comme ça qu'on s'endurcit. Ouais, bof, bon, on a une petite maison. Viens me filer ton bois, je vais faire un établi. Tu m'as volé. Derrière toi! Il voulait une épée aussi, lui. Imagine, là on est rempli de flèches, je pense. Ah non, j'ai rien dit, j'ai 4 flèches dans l'épaule, ça doit faire un peu mal. Alors fais gaffe parce qu'on peut se perdre facilement, là c'est le seul désavantage. Le sol. Non, c'est pas le sol, j'avoue. Et c'est quoi les avantages en fait? Il y en a pas, voilà, je te le dis, il y en a pas. Je te laisse finir ma phrase parce que j'ai pas d'inspi. Moi non plus j'ai pas d'inspi. Et voilà, on est youtubeur. On est youtubeur, hein, on a pas d'inspi. Génial. On est là pour divertir avant pour tout. Bon non, voilà, je dis on est full stuff, ça suffira largement là. Ah, tu me voles tout le fer là, je reconnais. Non, c'est le zombie là, il a pétage, je vais le tuer, t'inquiète. Non, c'est pour aller, je vais aller faire le portail du Nether. Ah, tu sais, ah attends, maintenant tu sais faire le portail du Nether avec un saut? Ah, je sais le faire, après, est-ce que je sais le faire vite, ça c'est une autre affaire, mais... Ah, j'ai entendu un creeper. Oh, un axolot! On l'emmène avec nous dans le Nether. Non, c'est bon, j'ai mon axolot, je l'appelle Rodolphe. Rodolphe? Est-ce que tu peux venir à mes coordonnées? Je peux. Where are you? Derrière. Ah, il est là. Alors, c'est un peu tricky comme je t'ai dit, mais descends genre ici. Fais gaffe, hein, quand même. Oh, fais gaffe, mine pas en dessous tes pieds. Je m'emballais. Mais t'es un grand malade, toi. J'ai plus rien à perdre. Mais si, t'as Rodolphe. Non, Rodolphe. Attends, tu l'entends? Ouais, j'entends. J'ai pas trouvé. Ah, elle est là. Bon, petit Rodolphe. Tu vas te mettre. Non. Ah mais, wesh, tu fais quoi? Mais moi, je ne voyais rien. Vite, Rodolphe. Alors, attends. Rodolphe, tu vas ici. Récupère l'eau. Tu sais comment on le fait ou pas? Ouais, regarde. Il y a Rodolphe qui est en train de souffrir. Hein. Quoi, il souffre? Bah, il y a plus son eau. Et il s'en bat les couilles. Il peut vivre en dehors de l'eau, hein. Rodolphe, il est indépendant. Hein. Ouais, il est indépendant, oui. La lave, au cas où, si tu foires comme ça, au moins je peux. Non, mais crois pas, je suis pas non plus nul à ce point. Hein. J'ai pas dit ça. Tu l'as pensé tellement fort que je l'ai entendu. Peut-être dit ça. Ok, bon, là ça va être vraiment compliqué. Là on va mourir. Là, est-ce que tu te rends compte que ça va être compliqué? Non, mais déjà que c'est impossible de trouver une forteresse. Moi je ne dis pas cher de notre peau actuellement. Là c'est le premier qui va tomber dans la lave. Hein. Ah, Dixit alors qu'il vient de tomber. Tombé tout court, pas dans la lave. Ouais, t'es tombé déjà, c'est déjà horrible. Ah, c'est infâme. Il hein. Y a certaines structures que tu reconnais et que tu sais que ça peut pas être le bord, tu vois. Ouais, mais là je te jure, moi des fois j'ai peur. Hein. À chaque truc j'ai peur, je me dis, bah on va peut-être tomber. C'est flippant, hein. Franchement c'est grave flippant. Oui, c'est flippant. Faut mais pas aller. On va jamais trouver. Jamais on trouve, hein, je le dis, hein, c'est vrai ça. Pour l'instant ça va, mais je sens que la lave est proche. Hein. Bon bah, voir, c'est qui veut en premier de la lave. En fait, faut qu'on se déplace ensemble et on passe un chunk chacun notre tour. Vas-y, à toi. Non, c'est moi qui l'ai découvert celui-là. Attends, mais ici en fait, faut passer de l'autre côté, je pense. Passe lui. Ouais. Lui, je suis sûr que c'est bon, regarde. Hop. Ok. À toi. Tu passes. Moi, je suis un grand warrior. Ouah. Non, faut pas. Mais si, là c'est bon. Ah. Ah. À l'aide. Vas-y, on continue tout droit là. Non. Ici. Non, y'a rien. Y'a pas rien. Non, y'a rien, je vois, y'a rien. Remonte, y'a de la lave. Rodolphe est déçu de toi. Hein. Quand le père de Rodolphe va mourir, je vais bien rigoler. Hein. Oh. Bon, attends, bon, eh, mais attends, on est sincèrement bloqué là. Bah, ouais, dans la forteresse. Tu veux, au pire, on peut faire un truc, regarde-moi. Je locate la forteresse et on essaye d'y aller. Vas-y. Tu vois, ça au moins c'est plus legit. Il y en a une à 230 blocs. On a eu une bonne 6. Hein. Elle est en 208, 330. Donc c'est tout droit là-bas. Là. Il y a de la lave derrière nous. Hein. Je sais, mais t'inquiète. Regarde là, je pense qu'on peut y aller. C'est trop flippant, hein, je le dis. Mais non, mais en fait, genre, ça se voit quand il y a de la lave de l'autre côté. Non, des fois non. Ah, oh, par là, regarde, si là. Ah, ouais, ah bah tu crames. Non, mais ça c'est parce que quand tu te mets sur le bord de la sous-sande, t'es en train. Non, mais viens par là. En vrai, on y est presque, hein. On est à 100 blocs. Ah, là, je la vois la forteresse, c'est juste devant. Hop là, regarde, bam, parfait. Ça fait peur. Ouais, ça fait. T'es fatigué aussi. Il est un peu tard. Oh, wow, ah fait, c'est pas des blazes. Il me fait tirer dessus là par contre. Il est là. En vrai, ça peut être vite, hein. Ouvre juste ce spawner et c'est bon, hein. Je crois que c'est un qui a spawné sans spawner. Tout ça chiant, les blazes qui spawnent tout seul. Exactement. Je pense qu'il faudrait faire un. Pétition pour enlever les blazes qui spawnent tout seul. Ninjax 2024. Non, Ninjax 2024, 2024, let's go. 2022. Non, ouais, 2022. 24, c'est les JO. Tu vas voter pour qui, Ninjax? Toi, tu vas voter pour qui? Non, je te pose la question d'abord. Vote blanc, et toi? Moi, je vote pas. Ah, il y en a un. Je sais pas. Bute-le. Je vais éviter de voter pour ceux qui. C'est tout ce que je peux dire. C'est coupé ça ou tu as laissé? Non, ça va être coupé ça. Ça va être coupé de ouf ça. Ils vont pas savoir de quoi on parle. Hein. À mort le Blaze. Aïe, oignon.
Oh, 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 fais gaffe, fais gaffe. Alors ça, je vais l'enlever de ma barre. J'ai essayé de cliquer droite. Non, on serait mort, hein, je te le dis. Le misclic qui a failli nous buter, hein. Quoi? Tiens, tu vas garder ce lit. Tu fais pas de conneries avec. T'as l'air quoi, pas de conneries? Pourquoi tu me l'as donné? K.O. si tu fais une connerie, la faute, ça sera pas sur moi, mais sur toi. Bah vas-y, mec. Je fais pas de conneries avec, hein. Redonne-le-moi. Redonne-le-moi, Fuse. Rodolphe, on est d'accord, on garde le... on garde le lit. Redonne. Oui. Tu as raison, Fuse. What the fuck? Ah, oh, t'as essayé de faire quoi? Alors, alors là, t'es mort. Non, il est pas mort. Il n'y a rien eu. Allez, hop, la bise. Ça va, t'es bien amusé quand même. Ouais, en vrai, c'était rigolo. En vrai, c'était marrant. Bon, il y a des trucs qui vont être censurés, mais tranquille. Bon, bah, à la prochaine, chose. Moi, je m'en vais de ce côté, toi de l'autre, on fait ça. Vas-y. Bah, allez, la bise, mec. À bise, la bise, à plus. Ciao. Fais pas en couille. Ouais, j'ai brillé sur la fin.